Bonjour, monsieur Tubiana. Serge Tubiana est un des grands personnalités de culture mondiale du cinéma. Et la cinémathèque française est le plus célèbre de tous les cinémathèques. Mais maintenant, je suis curieux pour commencer. Je suis curieux sur les racines de ta cinéphilie. C'est à quel âge tu as compris que le cinéma va être de ta destinée? Qui sont les premières grandes impressions de cinéma dans ta vie? Qui était le premier film que tu as vu? Commençons avec ça. Pardon de parler en français alors. Quand j'étais enfant, mes parents... Je suis né en Tunisie. Quand j'étais enfant, mes parents m'ont emmené voir La Strada de Fellini. J'avais 5 ans, 6 ans. Et j'ai été traumatisé. J'ai eu peur pendant tout le film. J'ai eu peur du film, des personnages. La Strada est restée un cauchemar pour moi. Parce que j'étais trop petit. Mais ce genre de traumatisme, c'est très important dans une vie, dans la vie d'un jeune garçon, parce qu'on s'en souvient toute sa vie. En Tunisie, je suis né dans une ville qui s'appelle Sousse, il y avait 3 cinémas et on n'avait que le cinéma comme loisir et la plage. J'ai 2 sœurs, une un peu plus grande, une un peu plus petite, et j'allais voir des films tout le temps, en version française. Et ce que j'ai le plus aimé quand j'étais enfant, c'est Jerry Lewis et les westerns. Voilà, c'est un plaisir du cinéma absolument banal. Après, à 15 ans, j'ai vu Pierrot le Fou. Quand il est sorti en salle, 1965, j'étais au lycée à Grenoble, la ville où j'ai passé mes études. Et là, Pierrot le Fou de Godard, j'ai eu un choc absolument unique. J'ai été seul, personne m'a dit d'aller voir le film, c'est pas mon professeur, c'est pas mes parents, c'est moi. Et j'ai lu juste après, dans un journal très important à l'époque, Les Lettres françaises, un journal que Aragon, le poète, l'écrivain, dirigeait, un journal communiste, un grand journal. J'ai lu un article sur 2 pages d'Aragon, Qu'est-ce que l'art, Jean-Luc Godard? Et j'ai eu le sentiment que, à l'époque j'étais communiste, 65-66, j'avais 15 ans. J'avais le sentiment qu'Aragon me donnait raison, que son article magnifique sur Godard, sur l'art moderne, sur Delacroix, Matisse, je me suis dit, si Aragon écrit ça et que moi j'aime ça, c'est donc que, voilà, j'ai touché le Graal, si vous voulez. J'ai créé un ciné-club dans mon lycée. J'ai montré les films d'Eisenstein, de John Ford, les films sociaux, politiques. J'ai vu La guerre est finie d'Alain René quand il est sorti en 66. J'ai vu les films de Truffaut. Je me suis identifié à Antoine Doinel. Quelque chose est né de sentiment d'être... J'ai vu 2 films qui m'ont absolument bouleversé. C'est Prima della Rivoluzione, Bertolucci, Les poings dans les poches, Bellocchio. J'ai eu le sentiment, à partir de la deuxième moitié des années 60, voilà, que le cinéma, c'était pour moi la chose primordiale. Et puis 68 est arrivé, la politique, l'engagement, les manifestations, la guerre du Vietnam. Ça a perturbé beaucoup tout ça. Parce qu'en France, on peut dire que le mouvement de mai 68 a été un mouvement, disons, essentiel sur le plan des idées, des mœurs, mais ça a été un mouvement très régressif sur le plan du cinéma. Parce que les militants, ils voulaient des westerns, ils voulaient des films engagés, ils voulaient des films avec des héros positifs, ils voulaient des films où le message était totalement simpliste.
les bons, les mauvais, le bon camp, les mauvais camps, l'anti-américanisme, etc. etc. Donc j'ai eu une période très très troublée dans ma vie, 68, 69, 70, j'étais à l'extrême gauche, et là le cinéma est passé au second plan, le cinéma n'était plus... Et puis j'ai décidé en 71 d'arrêter le milieu de tout ça, la politique, le maoïsme, tout ça, c'était fini pour moi, j'avais 21 ans, j'ai dit je vais à Paris, j'ai dit à mes parents, ma mère a pleuré, je lui ai dit je vais à Paris pour faire des études de cinéma, parce que en 71, il n'y avait qu'une ville en France où on pouvait apprendre le cinéma à l'université, c'était Paris, et Paris 3, la Sorbonne, Censier, Jussieu. Et là, je suis arrivé à Paris en 71 et j'ai rencontré, c'est ce que je voulais. Je voulais aller, j'avais une espèce d'intuition, je voulais aller à l'université où les cahiers du cinéma donnaient les cours. Voilà. Pour moi, j'étais perdu. Mais la boussole qui me guidait de façon extrêmement intuitive, c'était les cahiers du cinéma. Et les cahiers du cinéma en 71, 72, étaient une revue qui était elle aussi en régression. La révolution culturelle en Chine, l'engagement un peu fou, quoi. Donc je suis arrivé à un moment où c'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment. Mais dans ce mauvais moment, j'ai fait la connaissance et je suis devenu ami avec Serge Danet. Et ça a été pour moi essentiel. C'est-à-dire que dans cette période très troublée dans laquelle les cahiers étaient assez perdus, moi j'avais là aussi trouvé la personne qui allait me guider. C'était Serge Danet, 72. On a commencé à un peu écrire dans les cahiers, c'était très difficile. Les cahiers étaient vraiment en reflux par rapport au cinéma. Et puis, peu à peu, on s'est entendu on est devenu assez proches et complices pour se dire qu'il y avait quelque chose à faire avec les cahiers, que les cahiers devaient revenir à l'amour du cinéma, qui était leur vocation essentielle. Et en 74, Danet s'est dévoué, parce que je me souviens de la réunion au cahier, c'était l'époque où Comolli et Narboni diriger les cahiers, on laissait les cahiers, et Serge Danet a dit « moi je veux bien m'en occuper, j'ai du temps », voilà, c'était très modeste. Et il a dit « moi je veux prendre Serge Toubiana comme adjoint, je suis devenu son adjoint si ». Voilà. Donc ça c'est, voilà, j'ai tracé en quelques minutes ce qui s'est passé pour moi depuis l'enfance, le cinéma comme plaisir, et pour moi c'est, je le répète, c'est Jerry Lewis, voilà, passion, les films en VF, de Jerry Lewis, de Torog ou n'importe quel film avec Jerry Lewis, pour moi c'était le bonheur absolu de mon enfance, les westerns. Et puis peu à peu, par ce miracle des années 60, d'être en face de Pierrot le Fou comme spectateur et d'avoir le sentiment que voilà, le cinéma était réellement l'art de son temps, de ce temps-là des années 60. Godard, René, Truffaut. Et puis après, bien sûr, beaucoup d'autres cinéastes. J'ai dit Bertolucci, Bellocchio, et après tout ce qui s'est passé dans cette fin des années 60, où j'ai vraiment aimé le cinéma. Et j'avais la chance d'avoir un professeur au lycée, un professeur de lettres, très chahuté dans la classe, il n'était pas autoritaire du tout, mais qui s'appelait Jean-Louis Letras. Il était professeur de lettres à Grenoble, il était de Lyon, et après je l'ai retrouvé professeur de cinéma à Paris. Et le travail était formidable parce qu'il aimait, il était très positif. Benayoun, c'était son dieu. Il était très positif, très surréaliste, breton. Grac, il a écrit un livre sur Grac, Julien Grac. Et pendant les cours, il nous parlait de René. Et moi, je lui disais, mais il y a aussi Godard, et il détestait Godard. Donc moi, j'étais très jeune, et je lui disais, mais comment on peut détester Godard? C'est lui qui m'a fait aimer ça. Et après, le train est devenu godardien, pour beaucoup plus tard. Donc, si vous voulez, quand on est jeune, on est très sensible à ce qu'on aime, et on est très vite en... On comprend pas, on a besoin des autres, des adultes, pour nous aider, nous guider, nous servir de fil, comme ça, conducteur. Des fois, on comprend pas pourquoi un type comme le train, il était très jeune, il avait 26 ans, mais pour moi, c'était le professeur de lettres, il m'a fait aimer Stendhal, il m'a fait aimer des choses essentielles qui durent pour la vie, quoi.
ce qu'on dit, mais c'est ce que je dis aujourd'hui, quand on est ici au festival ou à la Cinémathèque française ou dans n'importe quelle institution, quand on a des jeunes de 16-18 ans, sur les quelques centaines ou milliers de gens qui viennent, il faut se dire toujours que s'il y en a un ou deux qui rencontrent la chose qu'on a envie de leur montrer et pour qui ça va devenir essentiel toute leur vie, ben, cette chance-là, il ne faut pas la rater, quoi. C'est fondamental. Ce n'est pas les 100 ou 1000, c'est les quelques-uns, les quelques-unes qui vont après se servir de ça, d'un film, d'un livre, d'une exposition, d'une conférence, peu importe, qui vont après partir avec cette idée que ça va les faire réfléchir, les faire vivre, les faire s'émouvoir, les faire aimer pendant toute leur vie. Et ça, c'est quand même ce que le cinéma nous a offert dans les années 60. Et je crois qu'aujourd'hui, malgré le chaos généralisé des images, je pense qu'il faut se dire qu'il y a sans doute dans une salle quelques une, deux, trois personnes pour qui c'est une question de vie ou de mort. Voilà. C'est ça qui est très important. Oui, c'est intéressant. Ta cinéphilie est née au centre de grandes œuvres de cinéma moderne. Mais comment tu as étudié les films classiques? Tu as probablement allé à la cinémathèque. Oui, un peu. Pas beaucoup. Parce que je suis arrivé à Paris en 71. J'ai fréquenté très peu la rue d'Ulm. Très peu. Les cahiers sont devenus mon école, si tu veux. L'école, c'était d'être avec d'être d'abord étudiant à Paris 3, de voir les cours de Serge Danet, de Jacquemont, de Pascal Bonitzer, de Pascal Canet, ils étaient tous à Paris 3. À l'époque, qu'est-ce qu'ils nous montraient? Le film sur lequel j'ai le plus appris, c'est Vent d'Est de Godard. Je l'ai vu, revu, analysé, décortiqué, je l'ai montré après à mes élèves, parce que je suis devenu... J'ai donné des cours à partir de 75 à Paris 3, à Paris 7. Je montrais Vendès, Lutte en Italie. Et pour moi, c'était des films qui avaient une vertu didactique incroyable. On pouvait tout comprendre du monde, de la politique, de l'état du monde à travers ces films-là. Le retour sur les films classiques s'est fait à travers les ciné-clubs, bien sûr. Mais, et puis à travers, j'ose dire maintenant, c'est un aveu absolument désolant, mais... Depuis que je dirige la Cinémathèque, je vois plus de films anciens que de films récents. Alors que pendant toute ma période au cahier, j'ai vu les films à 90%. J'ai été un journaliste et un critique découvrant les films récents, les films nouveaux, si tu veux. Parce que j'étais en charge d'écrire ou de faire écrire ou de diriger une revue quand j'ai pu diriger les cahiers en 81. La responsabilité qui était la mienne, c'était de témoigner du cinéma contemporain. Le retour sur l'histoire du cinéma, c'est pour ça que je ne me considère pas comme un historien du cinéma. Je ne suis pas un historien, il y a dans cette salle de très grands historiens, j'en connais, j'en repère. Mais moi, c'est depuis que je dirige, ça fait 10 ans que je dirige la Cinémathèque, je vois beaucoup plus de films anciens et ma cinéphilie historique, c'est comme un gruyère, il y a des trous partout. Est-ce que tu as mentionné plusieurs fois le filmclub, c'était la période de gloire de filmclub. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que ton souvenir de cette grande période de filmclub? Parce que est-ce qu'il y a des façons de retourner à cet âge maintenant? Parce que ce qu'on a perdu maintenant sur le filmclub mondialement. Tu veux dire cette période des années 60? Oui, depuis 80, petit à petit, c'est une disparition des clubs de cinéma. Partout. Je ne crois pas, moi. En France. Peut-être en France. Non, il y a beaucoup de ciné-clubs en France encore. Ok, c'est très bon, parce que autrement, c'est terrible. En France, vous savez, je ne vais pas faire de la gloire de la France, mais la France, on est un pays absolument particulier où l'amour du cinéma est une chose absolument partagée, naturelle, presque. On ne fait même plus d'efforts, c'est un acquis, et moi je pense que c'est ça qui nous menace. Le danger qui nous menace, c'est de considérer que c'est un acquis éternel, alors que c'est très menacé, évidemment. C'est menacé par la vie, par les outils d'aujourd'hui, par le fait que la technologie d'aujourd'hui est une technologie plutôt qui efface plutôt
qu'une technologie qui mémorise. On est sur une grande illusion aujourd'hui, à l'époque du numérique, des DVD, des chaînes thématiques et autres. On pense que tout est en mémoire. C'est pas vrai, c'est le contraire. Tout est susceptible d'être effacé. Pour moi, c'est ça mon hypothèse, c'est qu'on est dans une époque, un moment de la civilisation où les choses s'effacent. Et au fond, on n'y prend pas garde, parce que le courant va dans ce sens-là. Nous, on est là, je dirais, plus qu'avant, qu'aujourd'hui, notre cinéphilie résiste. Voilà. On résiste à l'oubli, on résiste à la perte de mémoire, on résiste à l'effacement. Le numérique est quand même, pour l'instant, une grande technique sujette à interrogation. On n'est pas sûr du tout que ça va se graver pour l'éternité, alors qu'avant, le film, l'argentique, nous donnait une assurance pour 3 siècles. C'était énorme, énorme. Donc, mon sentiment aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment dans l'euphorie générale en France. On doit davantage, je pense, prendre garde à ce qui nous menace, c'est-à-dire, au fond, soit la généralisation, une espèce de culture généraliste, généralisée, mais assez pauvre. Internet, c'est pauvre, voilà, c'est très pauvre, le langage est pauvre. Et qu'on est dans l'illusion, l'euphorie d'avoir accès à tout, et au fond, on a accès à tout sans mémoire, sans ordre, sans personne qui vous aide, sans personne qui vous guide, sans trace réelle. Voilà, donc c'est ça ce qui donne beaucoup de responsabilité à une institution comme la Cinémathèque, ou à un festival, ou à une autre cinémathèque. Il y a beaucoup de cinémathèques. En France, il y en a plusieurs. Dans le monde, il y en a heureusement beaucoup. Elles sont toutes confrontées à cette même problématique. Garder la mémoire. Sauvegarder la mémoire. Et montrer, évidemment. Sans quoi, ça n'a aucun intérêt de sauvegarder si on ne montre pas. Mais moi, je trouve qu'on est dans une période d'euphorie qui est très dangereuse. On a le sentiment que tout est montrable, que tout est disponible, et c'est faux. C'est faux. C'est une grande illusion, une grande erreur d'appréciation. Au contraire, il faut redire à quel point ce cinéma, le cinéma que nous aimons, reste une chose minoritaire. Alors même que le cinéma a gagné ses lettres de noblesse depuis les années 60. Jean Douchet, qui est là, on est l'un des artisans, mais toute sa génération, la génération, disons, Bazin, a fait gagner, pour moi, a fait gagner le cinéma en termes d'art. Enfin, en France, hein, en Italie, il y en a d'autres, partout dans d'autres pays, en Angleterre, chaque pays a eu son protocole. Mais le nôtre, c'est Bazin, l'équipe de Doucher, les cahiers des années 50, 60, Truffaut, évidemment, Godard, Rivette, Romer, enfin, ils ont fait gagner au cinéma une espèce de, pas respectabilité, c'est un mot horrible, mais une espèce de légitimité artistique incroyable, dont moi j'ai bénéficié quand j'étais jeune, parce que je suis un héritier, oui, modestement. Mais néanmoins, ça reste minoritaire. Pour moi, c'est l'ennemi absolu, c'est l'indifférence généralisée, qui est quand même ce à quoi on s'affronte toujours. Vous parlez à un ministre de la Culture, vous parlez à un responsable de l'audiovisuel, vous parlez à quelqu'un qui a un poste officiel, vous lui parlez de cinéma, c'est le néant, on n'a rien à se dire. Sauf qu'on peut dire, c'est le cas actuellement puisqu'on défend l'exception culturelle, sauf qu'on peut dire, c'est à nous le cinéma, et nous nous battrons pour lui. Et ça passe. Ça peut impressionner M. Barroso pendant 5 minutes, pas plus. Pas plus. 5 minutes. Au bout de 5 minutes, il passe au commerce. Et vous voyez, on est quand même, nous, notre génération, toi, moi, et beaucoup d'autres, tous ceux qui sont là, et beaucoup d'autres, on est là pour dire, attendez, le cinéma pour nous, c'est notre vie. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Est-ce que tu peux parler de ta période, de Cahier? Comment c'était arrivé que tu es devenu éditeur en chef? Quand on a repris les cahiers en 1974 avec Danet, ça a été très dur. On a repris les cahiers. Les cahiers étaient, à mon sens, morts. Morts. Ils étaient plus, il n'y avait plus de vie. C'était ce qui a sauvé les cahiers à cette époque, c'est... Je vous rappelle, c'était une revue où il n'y avait plus de photos, plus on parlait plus de cinéma, ou presque. On parlait de Strobe, de Godard, mais point, c'est tout. On passait à côté de Stache, on passait à côté de Ferreri, on passait à côté de tout.
Truffaut était fâché, tout le monde était fâché. Ce qui a sauvé les cahiers, c'est les universités américaines qui ont continué à s'abonner aux cahiers, malgré le maoïsme. Ça faisait de l'argent. Et à partir de 1974, on a été dans la survie jusque pendant tout le temps, la survie économique. Et avec Danet, surtout lui, hein, il a repris son bâton de pèlerin et il a reconstitué, il nous a remis au travail les uns et les autres, Bonnizère, Narboni, Bergala, Canet, Narboni, oui, tous, on s'est remis au travail pour refaire une revue à peu près lisible et bon, ça a été très long. On s'est réconcilié avec Truffaut. J'ai retrouvé la lettre. Novembre 75, on écrit à Truffaut pour se réconcilier. On va voir Godard à Grenoble pour se réconcilier. On refait un entretien avec Romer, avec Chabrol, avec Rivette. On reprend goût au cinéma. Ça a duré 5, 6 ans, 7 ans. 1981, je me souviens, on a fait une grande fête pour les 30 ans des cahiers. Ça, c'était mon idée. Je voulais qu'on fête les cahiers en 81, juste avant l'élection de François Mitterrand. Chez Bofinger, c'était une grande fête, genre. Il y avait Jacques Tati danser avec Duras. Pour moi, c'était l'apothéose. Jacques Tati danser avec Marguerite Duras. Vous imaginez ce que ça veut dire pour les cahiers? C'était ça. On avait réussi à refaire une belle revue de cinéma. Et là-dessus, je me souviens, rue du Faubourg Saint-Antoine, en face des... Un jour, je suis avec Serge Danet, il me dit, tu sais, Serge Julie, le patron de Libération, le journal quotidien Libération, Serge Julie me propose de venir à Libération pour diriger les pages cinéma. C'est très bien payé, je ne peux pas lui dire non. Pour moi, c'était un coup de tonnerre. Comment tu vas quitter les cahiers? N'aie pas peur, tout se passera bien, je resterai proche. Et il est parti à Libération. Et à Libération, Serge Danet s'est éclaté. Il est devenu, à mon avis, il était un très bon critique, il est devenu un très grand journaliste du cinéma, à Libération. Parce qu'il était libre, il faisait ce qu'il voulait, il faisait ce qu'il voulait dans un quotidien, et il était lu, et le lendemain, il disait, j'aime bien, le lendemain, mon article sert à emballer le poisson. Le quotidien, vous savez, le lendemain, ça sert pour le poisson sur le marché, on le jette, quoi. Il aimait ça. Et moi, je me suis dit, mais comment on va faire? Il y a eu une réunion du comité de rédaction, Serge est venu et il a dit, voilà, je pense que Serge Toubiana peut prendre la relève. J'avais 31 ans et j'ai pris la relève. Et j'ai pris la relève à condition de rester avec l'équipe. Pour moi, je ne me conçois pas seul, jamais. Même à la Cinémathèque, c'est pareil. Je ne peux pas, je n'ai pas de projet... comment dire, solitaire. Je ne m'intéresse pas, je ne sais pas, j'ai besoin d'entraîner une équipe avec moi, d'embarquer des gens. C'est ce qu'on a fait. Et une des premières choses qu'on a faites, c'est d'aller... Les cahiers avaient un problème vraiment grave avec la mairie. C'était une survivance de l'engagement politique. Je dis, la première chose qu'on va faire, c'est on va aller faire un numéro à Los Angeles et à New York. Made in USA. Jackie Reynal était à New York, c'était notre ami, notre correspondante, notre allié. Moi, j'étais à Los Angeles avec Olivier Assayas, Serge Le Perron et Raymond Depardon comme photographe. Serge Danet est allé à New York, avec Jean-Paul Fargier et d'autres. On a été à Los Angeles et à New York, on est resté 3 semaines et on a rapporté de là-bas de quoi faire 2 gros numéros. Made in USA, qui a été un succès incroyable. Tout d'un coup, on renouait avec l'Amérique. Tout le monde, on a vu. Le seul cinéaste qui a refusé de nous rencontrer, c'est John Cassavetes. On l'a harcelé au téléphone pour avoir un rendez-vous et tout. Je me souviens de tout. Très bien, il nous a dit, je ne veux pas vous voir parce que je sais que vous aimez mes films. Moi, je veux voir des gens qui m'empêchent de faire des films ici. C'était incroyable. Il a refusé de faire l'interview. Et à cette époque-là, Cassavetes était... le plus marginal des marginaux. Surtout en Amérique. Surtout en Amérique. Ouais. Il mettait en scène des pièces de théâtre pendant une semaine à Los Angeles. Personne n'allait les voir. C'était horrible, quoi. Ces 2 numéros ont redonné au cahier une espèce d'envergure. Voilà.
ça a très bien marché. Et tout d'un coup, voilà, quelque chose... ces années 80 ont été pour moi des belles années. Parce qu'on a redécouvert l'amour du journalisme, du voyage, de la critique, évidemment. On a refait travailler Jean Doucher, qui a tenu une chronique. J'ai demandé à Jean-Claude Biette de faire une chronique sur la télévision. On a renoué avec l'ensemble des cinéastes qui étaient... Je me souviens de Jean Eustache, Pierre Cottrel est là, il s'en souvient, mais Jean Eustache m'avait fait un grief incroyable. Il m'avait dit, quand j'avais besoin des cahiers, vous n'étiez pas là. Ça, pour moi, c'était terrible. Terrible. Truffaut, quand on a été le voir, je me souviens, on voulait lui demander de l'argent. On pensait qu'il avait de l'argent. Et je me souviens, on a été le voir avec Danet, on était timides comme deux petits garçons, et on lui a dit, voilà, on a besoin de vous. Et il nous a dit cette phrase que je n'oublierai jamais de ma vie, parce qu'il était fâché avec les cahiers, hein, parce qu'il ne comprenait rien aux cahiers, les cahiers structuralistes, maoïstes, il ne comprenait rien. Et même les articles sur ses films, il ne comprenait pas. Et je me souviens, on lui a dit, voilà, on va refaire une belle revue, tout. Et il nous a dit une phrase qui est une phrase qui restera toute ma vie, et qui a expliqué beaucoup de ce que j'ai fait après sur Truffaut. Et il a dit, pour ceux qui comprennent bien, « Je serai dorénavant avec vous d'une neutralité bienveillante. » Vous comprenez ?« Je serai dorénavant avec vous d'une neutralité bienveillante. » C'est-à-dire, je ne m'engage pas, mais je suis à l'écoute de ce que vous allez faire. C'était en 75. Ça m'a profondément marqué dans ma vie. C'est comme une phrase de psychanalyste. Hein. C'est-à-dire, j'écoute. Je ne sais pas si ceux qui ont fait une psychanalyse, moi j'en ai fait une, mais quand on fait une psychanalyse, on imagine que le psychanalyste, vous êtes allongé, vous parlez, le psychanalyste, il est d'une neutralité bienveillante. Il est neutre, il ne peut pas intervenir, il n'a pas le droit à la parole, en principe, s'il est un analyste lacanien, comme je souhaitais avoir un analyste lacanien. Mais son écoute est bienveillante, il ne vous veut que du bien, il veut vous soigner, il veut vous aider à aller mieux. Bon, ben, Truffaut, ça a été ça. Donc je suis devenu ami avec lui, on a fait un très long entretien avec lui en 1980, qui est sans doute le plus bel entretien que j'ai fait dans ma vie avec Danet Narboni. J'ai eu un très long entretien où il règle ses comptes avec Godard, très violemment. On a fait des livres ensemble, il est mort en 1984, je me souviens, j'ai fait un numéro spécial, j'ai fait un film sur lui, j'ai fait une biographie sur lui, j'ai fait une émission de radio sur lui, j'ai fait des DVD pour un cadeau. Enfin, Truffaut est resté comme un espèce de personnage à qui je voulais donner des preuves de mon amour du cinéma. C'est très bizarre. C'est comme une espèce de relation un peu analytique. Oui, mais c'est logique, parce que Truffaut est certainement le plus bel symbole de grandeur de cinéphilie, etc. Et ton livre est un monument dans cette culture. Le livre que tu as écrit avec Antoine de Beck, la biographie. Oui, oui. C'est évident que c'était très, très essentiel pour Cahiers du cinéma, avoir des relations personnelles aussi avec les cinéastes, parce que il y a un lien qui manque dans la critique académique. Fatalement. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus intime et beaucoup plus profond, finalement. Parce qu'on raconte tout le temps. C'est le voyage en Amérique, un bel exemple de grande tradition cahier. Ouais. Parce que c'était le cahier mondialement qui a commencé les entretiens dans les années 50. 54, Becker. Ouais. Le premier, Becker. C'est Becker, oui. C'est formidable que c'était Becker. Ouais. Que j'aime beaucoup, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. Oui, c'est important ce que tu dis, parce que c'est en même temps important et ça peut aussi être dangereux. C'est-à-dire que... on ne va pas reprendre la politique des auteurs dans ses fondamentaux, mais c'est... Bon, un film d'auteur, un auteur, le film d'un auteur n'est qu'un élément d'une œuvre... En train de se faire. Bon, donc le dialogue avec l'auteur, l'entretien, les cahiers ont su faire ça pendant très longtemps et ont vraiment inventé ça de façon, je trouve, très 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 forte. C'est un exercice littéraire magnifique.
Moi, j'adore faire ça. J'ai adoré faire des entretiens. C'est aussi un moment d'explication essentiel sur ce que c'est le travail du cinéma, l'œuvre, enfin l'œuvre en train de se faire. Bon. Les Caillots ont inventé ça, ils l'ont arrêté à un moment donné, puis l'ont repris à leur compte. Quand on a repris Les Caillots, on s'est remis à faire des longs entretiens avec Dané. Moi, j'en faisais plus que lui, parce que j'aimais beaucoup ça. J'étais plus journaliste à cette époque-là que lui. Après, il est évidemment devenu un grand journaliste à Libération, mais ce n'était pas l'entretien. Parce que Dané, vous savez, parlait plus qu'il n'écoutait. Donc, pour faire un entretien, il faut quand même parler moins que celui qu'on rencontre. Dané, c'était... Hein, Dané parlait plus que... Il a fait une émission de radio magnifique. Il parlait plus que la personne qui l'invitait. Vous voyez, donc, bon, et les gens acceptaient. Mais bon, moi, je suis le contraire. Moi, je fais parler. Bon. Mais c'est vrai que c'est un exercice formidable, je trouve. Et aujourd'hui, on voit bien qu'à la télévision, ça ne se fait pas. La radio le fait un peu, mais la télévision ne le sait pas faire. Donner du temps à la parole, expliquer, rentrer dans l'œuvre, dans le mystère d'une œuvre. Moi, j'aime beaucoup ça. Au fond, c'est la seule chose que j'aime dans la vie, c'est ça. C'est de comprendre, que ce soit un écrivain, un cinéaste, peut-être un musicien ou un chanteur, peu importe, mais qu'est-ce que c'est que le travail, qu'est-ce que c'est que les moments de solitude, qu'est-ce que c'est que le moment où l'œuvre apparaît, se dégage, et qu'est-ce que c'est surtout la continuité, un style, un thème, voilà, bon. Les livres sont faits pour cela aussi. Bon. Donc voilà, pourquoi je te dis ça, oui, c'est que c'est quelque chose dont on a hérité, effectivement, c'est Truffaut et Rivette qui ont fait les premiers grands entretiens avec Renoir, avec Rossellini, avec Hitchcock, avec Becker, avec Ophuls, voilà, les premiers grands maîtres. Et moi j'ai compris une chose, c'est que, au fond, alors c'est peut-être un peu relativiste, mais chaque génération a ses maîtres. Chaque génération choisit ses maîtres. Aujourd'hui, je crois qu'on est dans un festival comme Cinéma Rétrobat. Nous, nos maîtres, il y en a partout. Voilà. Et il y en a des pères, des grands-pères, des grands, des arrière-grands-pères. Si on va Narouzet, c'est un arrière-grand-père. Je vois qu'il y a un hommage à Douane. Il y a plusieurs générations de pères. Quoi. Mais quand moi j'étais jeune, on n'avait qu'une génération. C'était Truffaut, Godard. Jacques Demy, bon, que j'ai bien connu. Et puis, une révélation forte dans ma cinéphilie, ça a été Piala. J'ai adoré Piala, l'œuvre. J'ai bien connu Maurice Piala jusqu'à sa mort. Il est mort quand j'étais là, à côté de lui. Enfin, bon, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu... Alors, c'est un homme très compliqué, très dur, très colérique. Une œuvre extrêmement âpre. 10 films, c'est très peu. C'est très peu. Par rapport à la Nouvelle Vague, c'est très peu. Une œuvre qui s'est faite contre les autres, contre la Nouvelle Vague. Un homme dont le système d'écriture est totalement pas lisible a priori, pas difficile à percevoir, mais en même temps très cohérent. Voilà, ces cinéastes, c'était des gens pour qui j'avais le sentiment d'être à la fois protégé par eux, ils me protégeaient, et moi j'étais là aussi pour témoigner ou rendre compte de leurs œuvres, enfin, témoigner, voilà, être témoin de ce qu'ils faisaient, être synchrone avec leur travail ou leurs travaux. Ça, c'est un sentiment dont je suis très... je suis pas fier, c'est pas le mot, mais ça me nourrit énormément. Voilà. C'est la chose qui me plaît le plus, même aujourd'hui à la Cinémathèque, c'est ça. C'est une institution, ça sert aux cinéastes. Quoi. Il faut que les cinéastes, morts ou vivants, se sentent bien accueillis. Bien accueillis. C'est très belle, parce que j'ai toujours pensé que une constante de ta vie est que tu es loyal à des cinéastes que tu aimes. Comme Piala nous a montré tes restaurations ici. Mais je me souviens article il y a 20 ans, etc. Tu as tout le temps développé. Qui donne pour nous un point de vue, c'est tout ce que tu as raconté maintenant me semble une parfaite préparation pour la cinémathèque, pour ta travail de cinémathèque.
tout ça. On ne peut pas imaginer que dans la université, tu peux apprendre ça. Non. Tout est ça. Est-ce que tu peux parler un peu comment tu es venu à la Cinémathèque à faire? Je suis venu à la Cinémathèque par... C'est comment arrivé? Parce que c'était crise. Non. Il y avait écrit une grande crise après Dominique Pagny, qui est parti en 2000. A quitté la Cinémathèque en 2000 à Chaillot. Il y a eu une longue période de crise, mais la crise était déjà là avant. C'est-à-dire la crise, c'était entre... La Cinémathèque n'avait pas de projet. Elle devait quitter le palais de Chaillot. L'État lui avait demandé de quitter le palais de Chaillot, mais l'État ne lui proposait rien. Pas de lieu. Le seul lieu possible, c'était ce fameux bâtiment de Franck Guéry à Bercy. Le bâtiment où nous sommes aujourd'hui, qui est un bâtiment qui était à l'époque le centre culturel américain, donc un lieu privé, créé par les Américains, financé par les Américains, et qui avait fait faillite très vite. Le lieu était fermé. Et en 97, une des ministres de la culture, Madame Trottmann, socialiste, a racheté le bâtiment aux Américains. Elle a payé et les Américains lui ont vendu ce bâtiment. Et le bâtiment était toujours fermé. Et il y avait cette idée de confier ce bâtiment à un ensemble d'institutions. Les archives françaises du film, la bibliothèque du film, la cinémathèque française. Il y avait une espèce d'échafaudage absolument bizarre, et qui, à mon avis, n'était pas bon. Et la cinémathèque ne voulait pas y aller. Elle ne voulait pas y aller. Elle était très faible à l'époque. Elle n'avait pas la confiance de la tutelle publique, parce que la Cinémathèque, vous savez, c'est une association privée qui reçoit de l'argent de l'État. Donc c'est un statut très hybride, assez hétérodoxe. Association privée qui reçoit de l'argent de l'État, beaucoup d'argent de l'État. Donc une dépendance quand même vis-à-vis de la tutelle publique. Et entre la Cinémathèque et l'État, c'était la bagarre. Ça, c'était sous la gauche. La droite est arrivée en 2002, quand Jospin a perdu les élections présidentielles. La droite est revenue. Le ministre de la Culture s'appelait Jean-Jacques Ayagon, un homme que j'aimais bien, qui était l'ancien patron du centre Georges Pompidou. Et à l'époque, moi, je travaillais chez MK2, je faisais les DVD Truffaut, les DVD Kieslowski, je faisais un film sur Isabelle Huppert. Je m'amusais beaucoup et j'étais libre, j'avais quitté les cahiers. Et un jour, le cabinet du ministre m'appelle en disant « Le ministre veut vous confier une mission. » Bon, je viens. Et voilà, il faut que vous fassiez une mission, un rapport sur le patrimoine cinématographique en France. Parce que le ministre veut savoir quoi faire avec Bercy. Bon, je dis « D'accord, je veux bien. » J'avais du temps. J'ai écrit un rapport en 6 mois, très précis, très concret. J'ai fait une enquête, j'ai rencontré tout le monde. Et ma grande idée dans ce rapport, c'était de dire au ministre: faites confiance à la Cinémathèque française, c'est l'institution de référence. C'est la marque historique, la Cinémathèque française. Mais il faut qu'elle se réforme. Il faut que vous regagniez la confiance. Qu'elle regagne votre confiance, mais que vous lui fassiez confiance. Je vais plaider ça et je vais faire un rapport avec plein de décisions. Il faut aller à Bercy. Il faut confier ce bâtiment à la Cinémathèque française. Pas à une administration, c'est la Cinémathèque française. Le leader en France, c'est la Cinémathèque. Il m'a dit d'accord. Et quand j'ai remis mon rapport, je me souviens, c'était début janvier 2003, un vendredi. Je lui donne mon rapport, on prend une photo, et il dit, maintenant c'est une question d'homme. Et je baisse la tête, je regarde mes chaussures. Parce que je me suis dit, voilà... Il a tout compris, mais moi, je veux pas du job. C'est pas pour ça que j'ai fait ça. J'ai quitté le ministère, rue de Valois, et j'ai été à pied, j'ai traversé la Seine, j'ai été chez Maurice Piala, qui était en train de mourir. C'était un vendredi, et Piala est mort, le 11 janvier. J'étais le même jour, j'étais chez Maurice Piala, parce que j'étais très ami avec Maurice Piala. Et à partir de là... Mon rapport a fait beaucoup parler. Les gens ont dit oui, Toubiana a fait un vrai rapport, il propose des choses, c'est vraiment ça, il fait confiance à la Cinémathèque. Le personnel de la Cinémathèque a lu mon rapport en disant bon,
c'est quand même intéressant, ils n'étaient pas tout d'accord avec tout, mais ils disaient, voilà, ils étaient enfin fiers d'avoir un projet qui disait, la Cinémathèque française, c'est l'institution, même si elle est en crise, c'est l'institution de référence. Et un jour, ils cherchaient un directeur. Plein de gens ont été auditionnés pour être directeur. Le président de la Cinémathèque, c'était Jean-Charles Takela. Il ne voulait pas de moi comme directeur. Il disait, Toubiana, c'est un maoïste, mais c'est l'homme du ministre. Alors, les gens lui disaient, mais attendez, il a été maoïste, il ne peut pas être l'homme du ministre, il est capable de... Bon. Et un jour, le cabinet du ministre, on pense que tu serais un très bon directeur de la Cinémathèque française. Et j'ai dit, écoutez, moi, je n'ai pas fait ce rapport pour être directeur. C'était vrai, j'avais envie de faire des films. Et oui, je sais ça, parce que tu as vraiment cherché, même ici, tu as beaucoup ici. Avec les étrangers. Je venais ici beaucoup, et j'ai dit une phrase géniale, instinctivement, sans réfléchir. J'ai dit, écoutez, je ne suis pas candidat, je suis disponible. C'était une façon de... dos au mur, je ne suis pas candidat, mais je suis disponible. C'est vrai que j'étais disponible. Si vous voulez de moi, oui, mais je ne vais pas me porter candidat. J'ai été nommé le 2 mai 2003, directeur de la Cinémathèque. Et je venais avec rien, j'avais juste fait ce rapport, je connaissais la Cinémathèque, je l'avais fréquentée, je connaissais son personnel, j'étais très ami avec Dominique Paigny. J'avais qu'une idée. On va à Bercy. On va à Bercy. Ce bâtiment est pour nous. On va enfin être visible. C'était mon point stratégique essentiel. On change, on se déplace, on investit un lieu. Jamais la Cinémathèque n'a eu un lieu pareil, avec 3 salles, un musée, des expositions, une bibliothèque, de quoi faire des expositions temporaires. J'étais sûr qu'on allait réussir. Parce que je savais que l'institution avait en elle une légitimité fondamentale. Elle avait un savoir-faire historique. Elle savait programmer. Elle avait des collections sublimes. Tout cela, il suffisait de le développer, de le montrer. Voilà. Après, c'est un travail avec des équipes, c'est engager des gens compétents, c'est se mettre au travail. C'est facile. C'est très facile. Rien n'a été difficile. La seule chose qui a été difficile, c'est d'embarquer les gens, l'équipe, et de les dire, vous allez changer. Vous allez vous regarder devant vous et arrêter de regarder derrière vous. Très facile. Et très, très joyeux. Qui étaient pour toi les plus grands problèmes que tu as vus en 2003 qui était, la programmation était bonne, mais oui. Restauration, qui était problématique? L'équipe de la Cinémathèque de l'époque était, comment dire, c'était une équipe qui s'était développée contre les directeurs en place. Il y a eu 2 directeurs, hein. Pardonnez-moi de donner, surtout un, le pauvre, moi j'ai jamais compris pourquoi il était directeur, ouais. Peter Scarlett. Je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, le ministère, le CNC, a été chercher Peter Scarlett pour être directeur de la Cinémathèque. Il est resté 1 an et ça a été, pour lui, je crois, un mauvais souvenir. Ouais. Et je crois aussi pour le personnel. C'est-à-dire que ce n'était pas l'homme de la situation. Pourquoi? Non pas parce qu'il n'a pas de qualité, il en a. Parce que c'est tellement compliqué, l'administration en France, les relations avec le conseil d'administration, la tutelle. Et Peter, je crois, d'après ce qu'on m'a dit, est resté dans son bureau enfermé, il ne comprenait rien. Et il n'avait pas la confiance du ministre. Après, il y a eu un directeur par intérim qui était aussi pas très bon, je crois. Et l'équipe de la Cinémathèque s'était un peu repliée sur elle, contre les directeurs. Et il fallait leur dire maintenant, si on veut un projet, il faut s'ouvrir, il faut accueillir, il faut se développer, il faut avoir des idées, il faut aller chercher le public,
il faut prendre le risque de déménager, il faut faire une exposition, refaire un musée, il faut faire une exposition temporaire pour ouvrir le bâtiment. Et là, j'ai eu un allié incroyable qui n'était pas... qui est Claude Berry. Claude Berry a été nommé président de la Cimathèque un peu après moi. C'était pas mon ami, hein. Je n'aimais pas beaucoup ses films. J'ai jamais dit du bien de ses films dans les cahiers. Mais j'ai eu affaire à un homme très paradoxal qui m'a dit tout de suite, écoutez, moi, le cinéma, j'y connais rien, je vous fais confiance. Mais les expositions, l'art, la peinture, moi, je les connais. Donc il voulait faire des expositions à la Cimathèque de peintres. Je lui ai dit, mais Claude, c'est le cinéma, nous, notre art, c'est pas la peinture. Oui, oui, mais la peinture, il faut faire... Alors, il faut faire Opalka, il faut faire... Il m'avait dit des peintres, ça, il faut faire... Mais il m'avait dit une chose formidable. Il m'a dit, il faut faire Renoir, Renoir. Oh, j'ai dit, ah bon, Renoir, Renoir, on n'a jamais fait. Renoir père, Renoir fils. Je lui dis, d'accord. Je me suis mis au travail sur Renoir, Renoir. On a fait une exposition qu'on n'avait jamais faite, nulle part, avec le musée d'Orsay. Serge Lemoine, qui était le président d'Orsay, moi j'avais un collaborateur que j'ai encore, Mathieu Orléans, on s'est mis à travailler sur l'hypothèse d'une exposition pour ouvrir Bercy en 2005, Renoir à Renoir. Ça a très bien marché. Donc on a ouvert avec une belle exposition, un musée reconsidéré dans un espace plus petit que celui du musée Langlois, une programmation... avec la rétrospective Renoir, Scorsese est venu. Et si vous voulez, le bâtiment a ouvert, symboliquement, il n'y avait pas mieux. Quoi. Scorsese était là, on a montré le fleuve restauré par Scorsese. Le président de la République devait venir, il a eu un problème à la tête, il n'est pas venu, mais il nous avait promis de venir, Jacques Chirac. Il y avait une fête en septembre, c'était la Cinémathèque, et tout le monde attendait... toute la cinéphilie en France attendait ce moment-là, en fait. Et là où je pense ne pas m'être trompé, c'est que je savais que la Cinémathèque française, si vous voulez, elle est née en 1936, Henri Langlois, elle a vécu des moments très difficiles, chaotiques, elle a eu des hauts, des bas, tout ça, mais que fondamentalement, c'est un point de ralliement universel en France. Tout le monde, au fond, à un moment donné... à fréquenter la Cimathèque, à aimer la Cimathèque, ou à considérer que c'était une institution formidable. Quoi. Et là, tout d'un coup, on disait, mais ben, voilà, venez voir, vous allez voir. Et tout le monde a vu que c'était plutôt un lieu pas mal. Quoi. Donc, si tu veux, je n'ai pas eu de grosses difficultés. Franchement, j'en ai... Après, le travail, c'est du travail, c'est les équipes, il faut faire travailler ensemble des gens qui souvent n'aiment pas travailler ensemble. Ça, c'est, au fond, c'est les problèmes qu'on a tous, hein, des gens qui sont ceux qui s'occupent de la restauration, ceux qui s'occupent de la programmation, les expositions, les éducations pédagogiques, les activités. Enfin, mettre ensemble des gens qui ont tendance à travailler que pour eux, ben, c'est vrai dans toute institution, dans toute entreprise. Faire travailler ensemble des gens, c'est difficile, mais on y arrive parce que c'est tout le monde a quelque chose à y gagner. Voilà. Je suis absolument convaincu de ça. Parlons un peu sur la programmation, parce que c'est célèbre. La programmation de Cinémathèque française est toujours célèbre. Qu'est-ce que la philosophie, si on a une copie 35, une copie digitale, comment tu vas choisir? Choisis la 35. Oui, c'est toujours fait. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé sur les restaurations numérique, oui. Ben, nous, on en fait, bien sûr, parce que je ne vois pas comment on pourrait éviter de faire des restaurations numériques. Là, on va en montrer une cet après-midi, La Belle et la Bête. Vous verrez, c'est plutôt une belle restauration. Le danger, c'est quoi? Un, on a fait passer, et on a réussi, je crois, à convaincre l'ensemble des partenaires en France, aussi bien les grands détenteurs de catalogues que les petits, que le retour sur film est essentiel. Donc ça, tout le monde est d'accord. Le CNC, d'accord. Le retour sur pellicule est fondamental. On ne fait pas... Même Gaumont, ils ont changé. Avant, ils faisaient que des restaurations numériques. Maintenant, ils font retour sur pellicule. Ça coûte plus cher, mais c'est un élément de conservation plus fiable. C'est formidable. Parce que c'est probablement le seul pays mondialement qui... Ouais.
tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Studio Canal, Gaumont, Pathé. Bravo. Voilà. Ça, là-dessus, on a, je crois, une relative unanimité sur cette idée-là, qu'il faut un retour sur pellicule. Alors, là où c'est le plus embêtant, et c'est le plus inquiétant, et plus... c'est sur les films actuels qui se tournent que en numérique, et c'est le 95%, 98% des films aujourd'hui se tournent en numérique et n'assurent pas le financement d'un retour sur pellicule. C'est vrai de toutes les œuvres qu'on découvre aujourd'hui. Donc là, on est inquiet. C'est-à-dire qu'on a du mal à se dire qu'est-ce qui va se passer avec le cinéma contemporain en termes de conservation et d'archivage. Mais sur la programmation, moi je dirais le seul... je discute beaucoup, j'ai un responsable de programmation, Jean-François Roger, qui est là depuis 20 ans et qui est vraiment un bon, très bon programmateur. Le seul critère, c'est le plaisir. Il n'y a pas d'autre critère que le plaisir. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie de montrer, de remontrer, sachant qu'aujourd'hui, je pense que tout ce qui a été fait il y a 15, 20 ans, 30 ans, il faut le refaire. On a fait une intégrale John Ford, il faut la refaire. On a fait tout Sacha Guitry, il faut le refaire. Parce que tous les 15 ans, il y a une nouvelle génération qui veut découvrir les films classiques, les films modernes. Aujourd'hui, le cinéma moderne est très menacé dans sa mémoire. Parce que là, on fait Bertolucci en septembre. Ça fait 3 ans qu'on veut faire Bertolucci parce qu'on ne l'a jamais fait. Il va venir, on est content, on va montrer son dernier film que j'aime beaucoup, IOET, que j'ai vu à Cannes l'année dernière. Il n'est pas sorti en France, personne n'a encore distribué, il va être distribué. On fait un hommage à Michel Piccoli parce que c'est un immense acteur à qui j'ai envie de rendre hommage parce que c'est une des plus belles filmographies de notre cinéma. On va faire l'exposition Pasolini avec nos amis à Barcelone, à Rome, à Berlin. On fait donc tout Pasolini. On a des projets, si vous voulez, je sais pas comment dire. Là, l'exposition Jacques Demy marche très très bien. Les enfants viennent. Ouais, on fait des choses qui nous font plaisir. Et on le fait avec les gens qui nous aident. On ne peut pas faire une exposition Jacques Demy sans Agnès Varda et Ciné Tamari. C'est eux qui ont toutes les archives. Donc on fait ensemble. Et ça remet Jacques Demy... comment dire? Ça refait de son œuvre un enjeu esthétique, critique... sentimentale. Même les gens viennent, les filles, les petites filles viennent pour toucher les robes de Podane. Vous voyez, elles chantent les chansons, elles adorent. On va faire plus de 100 000 visiteurs, c'est énorme. Jacques Demy, qui était un cinéaste un peu pas oublié, mais un peu en train de s'effacer, quoi. Donc voilà, il faut. Pour moi, le plus grand danger, c'est que tout s'efface. Voilà. Les choses s'effacent. Et qu'on est là pour restaurer la mémoire des gens. Pas simplement les œuvres, la mémoire des auteurs, des artistes, et même des artistes récents. Jacques Demy est mort en 90, c'est pas si vieux. Piala est mort il y a 10 ans, j'en ai fait la rétrospective, une exposition de ses archives. Bon, Piala n'est pas connu en Italie, il n'est pas connu je sais pas, c'est dans ton pays, mais je crois pas. Piala est un cinéaste très, très peu connu à l'étranger. Une touche admirable dans la programmation de la cinémathèque, c'est qu'on donne espace à des personnalités comme Jean Touché ou Jacques Lourcel. Oui. C'est une touche intime à l'histoire du cinéma. Là, on fait Matarazzo à partir de... Matarazzo maintenant, oui. Tout Matarazzo. C'est-à-dire, là aussi, le principe de Jean-François Roger et de la cinémathèque, c'est de faire des intégrales. Ça, c'est un truc, je crois, qui vient de l'histoire de la cinémathèque. On fait de l'intégrale, c'est-à-dire que c'est pas facile, il faut chercher les copies, ça dure longtemps, on fait 2 séances par film, ça on garde cette idée-là, l'intégrale, on ne fait pas le best-of. Il n'y a pas beaucoup de cinémathèques qui peuvent se permettre de faire l'intégrale d'un cinéaste. Là on prépare pour, je sais pas, 2015 ou 16, tout Ruiz par exemple, 120 films, comment on va faire, je ne sais pas, tout Ruiz. Mais on va faire tout Ruiz. Je me suis engagé auprès de Valeria Sarmiento. Je lui ai dit, on va faire tout Ruiz. Bon, 119 films. Ou 129, je ne sais plus. Tous les modules, les cours, des longs, des documentaires, des fictions, des films d'expérimentaux, des films pour le Chili, des films pour l'INA, des films pour tout. Ben voilà, on va faire. C'est un devoir. Voilà. Ça, il faut le faire parce que c'est l'institution qui est faite pour ça, si vous voulez. Donc, il y a une espèce d'osmose de... Voilà.
Et c'est pas important s'il y a du monde ou pas, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de le faire. Nous avons encore 4 minutes et nous avons temps pour les questions, s'il y a des questions parmi vous. S'il vous plaît. Je suis Natalia Nusinova et je suis une historienne du cinéma de Moscou. Un moment, Natalia. Merci. Je m'appelle Natalia Nusinova, je suis une historienne du cinéma de Moscou, de Russie. Je suis liée avec la Cinémathèque française depuis le 89. Même à ma connaissance, il y avait des périodes très différentes dans l'histoire de la Cinémathèque. Et en ce moment... J'ai l'impression que c'est très très bien organisé à Bercy, mais que ça devient un tout petit peu plus clos, en tout cas au niveau des rapports internationaux. Plus clos ? Oui. En tout cas, on a essayé à plusieurs reprises de faire venir à Moscou, de faire le programme de l'Albatros, et on s'est rendu compte que c'est quasiment impossible. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus ? Bon, je vais vous répondre très franchement. Moi, j'aimerais beaucoup trouver des partenaires en Russie, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé. Des partenaires pour des projets, des programmations, des expositions. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé. Alors, si on trouve, on fera, parce que c'est très important pour nous d'être présents dans la Russie d'aujourd'hui, parce que c'est un pays de cinéma qui a une archive absolument colossale. Mais actuellement, c'est vrai, on cherche, on n'a pas trouvé le type de partenariat qu'on recherche avec, Moscou. Comment ? On peut en reparler. Bien sûr, oui. Mais on est plutôt demandeur. Question ? Bonjour. Bonjour, je suis Lies Mien, le directeur de la Cinémathèque algérienne. Ben, je vous félicite tout d'abord pour votre brillante intervention. Et on avait sollicité, après avoir organisé l'année dernière les journées du jeune cinéma français, la Cinémathèque algérienne avait sollicité la réciprocité au niveau des salles de répertoire de la Cinémathèque française. Malheureusement, jusqu'à présent, on n'a obtenu l'avis favorable d'une seule salle, c'est-à-dire la salle de répertoire de Dunkerque. On se pose la question, pourquoi pas Bercy ? Je n'ai pas compris votre réciprocité, c'est-à-dire ? C'est-à-dire organiser des journées du cinéma algérien au niveau de la Cinémathèque française. Pourquoi pas ? Mais je n'ai jamais reçu de demande de ce type. Ça a été fait par le biais de l'attaché culturel au niveau de l'ambassade de France à Alger. Et jusqu'à présent, je n'ai reçu qu'un seul avis, celle de la Cinémathèque de Dunkerque. Ouais, je vous remercie, M. Je n'ai pas reçu de... Moi, vous savez, les demandes qui passent par les ambassades, la diplomatie, ce n'est pas en général comme ça que ça fonctionne le mieux. Hein. Si vous voulez qu'on ait des relations directes, surtout qu'entre la Cinémathèque française et la Cinémathèque d'Alger, il y a eu une histoire... incroyablement légendaire, c'est pas très difficile de travailler avec nous, vous savez. Maintenant, je serais ravi de travailler avec la Cinémathèque d'Alger, parce que j'y ai été moi-même, j'ai un souvenir avec Danet. On avait été à Alger en 75, montrer des films absolument... On avait été montrer Lancelot du Lac, oui. La Grande Bouffe de Ferrari, je me souviens d'une salle bondée, c'était absolument incroyable, surtout d'hommes d'ailleurs, mais bon, c'était... explosif pour moi, ce moment en Alger. Donc je serais ravi de retravailler avec vous et de vous aider à montrer des films algériens ou à montrer des films tout court. Tout à fait. Là où on est... Alors, moi, c'est un bon... Votre question ne m'embarrasse pas du tout, au contraire. Mais si vous voulez, la Cinémathèque française, on est très souvent sollicité par des pays maintenant pour montrer des films... là, on a montré la Croatie. Bon. C'est-à-dire qu'on revient à une forme de cinéphilie un peu étroite, géopolitique. La Cinémathèque française, et ça c'est, je crois, le génie de Langlois, c'est qu'il n'a jamais fait la Cinémathèque française pour montrer des films français, quoi. Dès qu'il a montré des films muets, des films... C'est-à-dire qu'on a, quand même, nous, dans notre ADN, si je peux me permettre, c'est le cinéma, quoi. C'est le cinéma. Je sais pas s'il y a un grand cinéma algérien aujourd'hui, je sais pas, hein, je pose la question, vous le savez mieux que moi, mais nous, notre problématique, c'est pas de dire, on va faire... pays par pays, on ne sait pas faire ça. On n'a pas ce rapport-là. On a un rapport plus facile avec... évidemment, les auteurs, c'est plus facile, parce que les auteurs, on peut...
on sait à peu près ce qu'ils ont fait. Mais j'ai du mal à vous dire, oui, on va faire un cinéma algérien, parce que s'il faut qu'il y ait quand même un peu un désir, un plaisir, une évidence à montrer des films de jeunes cinéastes contemporains qui ont du talent ou qui ont quelque chose... Oui, tu vois la nuance que j'introduis. Voilà. C'est parce qu'on est souvent pris maintenant à cause de... Par exemple, l'Europe, il y a 27 pays, maintenant 28. Tous les ans, on a une saison européenne. Alors, il faut faire un pays. Bon, c'est pas très intéressant. Je dis franchement les choses, c'est pas très intéressant. Dernier mot à Jean Duchesne. Pour l'Angloire, en fait, c'est pour nous. Un moment, Jean. Et pour l'Anglois et pour nous, d'ailleurs, en fait, le cinéma, c'est une nation. C'est-à-dire, nous sommes du cinéma, et le cinéma, c'est le monde entier. Donc, il n'y a pas de pays. Les pays ne comptent pas, les films comptent, point final. Ça reste vrai. Ça reste vrai.